peut pas poser les pieds au sol. Mais avec le temps, on arrive à sortir de l'eau. Une piscine, deux gardiens, des joueurs et un ballon. Il faut pouvoir rester à la surface et sprinter. Ce qui est difficile, c'est de faire des passes. Au waterpolo, il faut penser, réfléchir et anticiper les actions. J'aime beaucoup nager, j'aime l'eau, c'est un peu une lutte physique et j'ai l'ambition de toujours être le meilleur. On a ici une situation de supériorité numérique. On essaye de l'exploiter le mieux possible et d'amener un de ses joueurs dans une bonne position pour conclure. Après chaque match, je suis entièrement vidé, à force de nager dans tous les sens. Un match dure 4 fois 8 minutes. Quand on veut jouer au waterpolo, il faut savoir nager. Sinon, glou glou glou.